tenir mon engagement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Réconciliation inter-ivoirienne entre l'ancien président Boni Yayi et Patrice Talon. Ce lundi, les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire ont joué les bons offices pour ramener la paix entre ces deux amis en froid depuis les affaires de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État en 2012. Patrice et moi, nous étions des amis. Nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Le président Patrice Talon s'est engagé à œuvrer pour la paix au Bénin et dans la sous-région. Je lui fais le serment d'être un bon président. Je voudrais le rassurer devant l'opinion, notre opinion, que je donnerai le meilleur de moi-même pour garantir à notre pays, au Béninois, et à toute la sous-région, une bonne ambiance de convivialité, de paix. Les intrigues de la confession politique ne prendront pas le pas sur nos responsabilités d'œuvrer pour la paix. Dans cette rencontre est une rencontre d'amitié, de fraternité. Une rencontre d'amitié et de fraternité devenue nécessaire, les échanges du 6 avril dernier n'ont visiblement pas suffi à dissiper les inquiétudes. Abidjan ouvre donc la voie à un nouveau départ entre les présidents Talon et Yayi.